Ça va, mes loulous? Ah, vous êtes en forme ce matin. Ouh. C'est mon anniversaire. 23 ans. Je me rapproche des 25 ans. C'est grave, là, non? Ticket. Ouais. Oh là là. Et moi, j'ai ma couronne. Hop. Donc, au moins, on est bon. Mes fleurs sont toujours aussi belles. Ouais, j'ai mon café, ça c'est bon. Ah, je vous ai pas montré ma manucure, bah attendez, je vais vous la montrer. Donc j'ai fait un petit bleu espace. Il est trop trop beau ce bleu parce qu'en fait il a une espèce de dégradé jusqu'au bleu clair, mais genre léger, ça, en fait c'est à cause de la lumière, c'est trop beau. Donc là j'ai mis le signe du poisson, donc le signe astrologique normal. La longueur, j'y ai pas trop touché. Et je trouve ça trop trop beau, on a fait tellement de compliments à Truffaut sur mes ongles, c'est un truc de malade, les gens ils kiffent trop. Et voici l'autre main, ma préférée, avec le signe astrologique du poisson en version constellation. C'est trop 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 beau. En fait, c'est une abonnée qui m'a donné l'idée de mettre le meilleur des signes sur mes ongles, donc c'est le poisson. J'étais trop morte et elle avait vraiment une très très bonne idée. Oh mon chacha, tu veux sortir? Bon, exceptionnellement, parce que c'est mon anniversaire, je suis gentille aujourd'hui. Allez, vas-y, petit con. Genre hier, là, à Truffaut, il y avait tellement de gens, mais vraiment des queues assez longues, donc c'était vraiment cool. Au moins, ça fait le chiffre. J'ai fait un chiffre de malade à ma caisse, je suis en mode, mais waouh! Vraiment, des gros paniers, les gens, genre 500, 600 € à chaque fois quasiment. Ils se sont fait plaisir au niveau des transats, au niveau des plantations. Ouais, j'aimerais bien replanter des petites fraises, etc. De toute façon, il faut que je fasse un tour à Truffaut pour refaire mon îlot. Pour qu'on achète aussi une palissade comme là. Sauf que ça coûte assez cher et moi il m'en faut juste une. Genre acheter des graines pour mon îlot parce que ça fonctionne super bien. Je suis super contente, on fait rien du tout et ça pousse. Genre les tomates ça pousse vraiment bien. Basilic ça commence à pousser et tout, c'est trop bien. Et j'aimerais bien acheter de la menthe pour replanter parce qu'elle avait été. Vas-y, Birdie, vas-y, passe. Voilà. Parce qu'elle avait été morte en fait à cause de tous les puissants, toutes les maladies, le soleil. Il faut que je monte, vous savez, ce petit truc-là. Enfin, je sais pas si vous verrez. Le truc vert. C'est les petites jardinières en 3 étages. J'aimerais bien mettre aussi des petites plantes, des petites choses comme ça. Et hier soir, en fait, j'ai reçu le cadeau, mon cadeau d'anniversaire de la part de mon chéri. Donc je suis trop contente. Je pense que je vais vous montrer la vidéo. Merci. Ah, je vous coupe pas. Joyeux On n'a pas regardé. anniversaire! Oh, il y a une lettre! Ah non! Ah si! Ah si! Ah non! Même pas, il t'a mis une lettre! T'es con! Ah si! Oh my god! Putain d'emballage de merde! Trop beau! J'aime trop, merci beaucoup! Ah, j'ai envie de chialer! Oui, mais je suis Je trop contente, c'est Poséidon quoi! pouvais. Enfin, bah oui, c'est Triton! Mais Elle si! va pleurer. Trop, c'est trop Je beau! savais que tu l'aimais bien celui-là. Il est trop beau! Je l'avais jamais vu en plus à Disney! Il est trop beau, merci beaucoup! Je vais mettre Tu vas au-dessus. pouvoir les mettre du ton côté. Oh, regardez Sinon, je vous appelle parce que j'ai fait une commande qui devait arriver le 19 et on est le 22 et j'ai toujours rien. où petite là. Ouais. Non, je vais mettre à la porte et je vous reprends après. Ok, parce que sinon il peut pas me livrer aujourd'hui. Ouais. Hello. Après 72 heures, le service concerné va vous envoyer un email pour confirmation de la réexpédition ainsi que la livraison. D'accord? Donc moi je paye la carte Fnac Plus pour être livré entre 19h et 22h le 19. Donc ça je le paye parce que la carte Fnac Plus elle est pas gratuite. Et je dois attendre encore plus longtemps que si j'avais pris une livraison classique. Incroyable. Non mais il y a toujours des problèmes avec les livraisons Fnac, la télé, la barre de son, les jeux, c'est un truc de ouf quand même. N'achetez jamais sur le site de la Ah Fnac. non mais c'est En vraiment. magasin ça va, les vendeurs sont cool, les caissiers sont cool. Enfin j'ai fait une bonne expérience à la caisse. À Montparnasse, mais le site c'est déplorable. C'est un autre service en fait, c'est il passe par l'entrepôt et tout, et c'est n'importe quoi. Deux commandes qu'on fait, j'achète deux jeux par livraison coursier entre 19h et 22h prévu le 19/02. On est le 22 et c'est toujours en transit. À Donc la bah rigueur, il est pas ça venu aurait chez été moi un en fait. service gratuit. Coursier, il est gratuit et tout. Mais non, enfin, vous connaissez le prix Non des mais même en coursiers. service gratuit. À chaque fois, franchement, on vous montre et on a toujours des problèmes. Tout le temps, chaque commande, on a des problèmes. Chaque fois. C'est parce qu'on a vraiment des bons d'achat qu'on doit utiliser que sur le site qu'on commande. Sinon, moi, je commanderais pas. Hein. J'aurais pris sur Bah oui, vous Amazon, êtes Amazon bloqué. Prime, on l'aurait eu le soir même. Voilà la figurine que mon copain m'a achetée. Donc, c'est Triton en Disney Tradition. Elle est trop trop avec la petite sirène. J'adore. J'ai trop kiffé. Bah tout en fait, tous les détails et tout, franchement, c'est trop trop beau. Enfin,
Bon, j'aime trop, vous savez que Poséidon. Donc Triton, c'est le fils de Poséidon. Donc c'est. Il est trop beau. Il est vraiment trop trop beau. J'aime trop. En plus, il est coloré et tout, il est trop trop beau. J'ai mis ma petite photo en ligne, ma petite photo d'anniversaire, comme d'habitude, avec moi à Disney, avec un truc très ficha sur la tête. N'hésitez pas à aller la checker sur mon compte Instagram, c'est ElisaBRTOff. Là, on va aller faire les courses parce qu'il n'y a plus rien dans le frigo. On va aller à Grand Frais et Lidl, je vous montrerai ce qu'on a acheté. Je vais aussi chercher mon petit colis, mon petit cadeau que mon papa m'a offert. Regardez comme c'est coloré, c'est trop beau, j'aime trop. Bon, nous venons de rentrer et j'ai récupéré le cadeau. Mon père m'a fait et ma belle-mère aussi m'a fait. Préparez-vous, vous allez avoir une crise cardiaque. Parce que tu sais, à Noël, on avait les chaussettes et tout. Et sur le trajet, je lui ai dit, je suis sûre, il nous a pris un truc que des conneries et tout. Genre, c'est pour ça qu'il voulait une photo de nous deux. Et on s'attendait tous sauf à ça. Franchement, ouais. Voilà ce qui nous a acheté. Bon, on l'a mis sur les chiottes. On l'a mis sur les chiottes, là. C'est un tableau, quoi. C'est un tableau avec notre face en gros dessus. Très gros dessus. Très très gros. Donc on se disait qu'on allait le mettre ici. Tu vois, à côté de... Ah, tu vois, là, quoi. Pas trop dans le salon, pas trop dans les pièces où on passe beaucoup de temps. Dans les chiottes, on passe le plus de temps. Mais ouais, mais je regarde par terre, moi, tu vois. Là, vu que c'est derrière nous, c'est que quand on va tirer la chasse que... qu'on se verra. J'étais à mille lieues de penser à ça, tu vois. On sait qu'il y a une autre, voilà, une culotte, un string, un boxeur, j'en sais rien. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la vidéo, j'ai mes cadeaux de Noël, donc il y avait plein de conneries de Patrick. N'hésitez pas à les checker parce qu'on a eu donc les chaussettes, etc. N'hésitez vraiment pas à les voir, c'est hyper, hyper drôle et tout. Si vous n'avez pas d'idées cadeaux, si vous avez, je sais pas, envie d'acheter des conneries pour des gens, pour des anniversaires, etc. N'hésitez pas à aller voir la vidéo. Donc on a fait les courses, au final, bah, on en a eu pour cher. Hein. On va ranger tout ça et on vous montre... juste après. Bon, on a pris des avocats mûrs pour ce soir parce que mon copain va faire des sushis. Des bananes, kiwis, pommes, poires. Ensuite, on a pris des œufs qu'il n'a pas déballé d'ailleurs. On a pris du taboulé, de la paella, des salades, vous savez, comme ça, céleri, etc. C'est mon sandwich. On a pris cette fois-ci des yaourts comme ceci en gros pot. Parce que j'ai vu une vidéo, en gros, bah, on consomme beaucoup, enfin surtout moi, au niveau des yaourts, tout ce qui est emballage. Et donc, ça serait peut-être mieux de prendre des gros pots comme ça. Donc, je vais tester cette marque-là, donc Envia, de la marque Lidl. On a pris à la vanille, on a pris aussi Passion, Pêche, un truc comme ça. J'ai repris des liégeois, j'ai repris aussi de la compote, du filti. On va tester ce que ça donne. Des olives, j'ai repris, je suis vraiment con, hein. Un gros oméga 3, demi-sel, je suis dégoûtée, j'avais pas vu, j'en avais un. On a pris du saumon, de la dorade, de la viande, donc à moins 20% pour les étudiants, à grand frais pour tout ce qui est viande. C'est vachement bien, donc on a eu pour 16 € de viande au lieu de un peu plus de 20 €. Du sauciflard, on a pris de la raclette, tout ce qui est copa, enfin charcuterie, etc. On a repris donc de la mozzarella, du truc râpé, des fromages, enfin bref, on a pris plein de fromages. On a pris ça au niveau des fruits. Oh, des oranges sanguines, j'étais tellement contente d'en voir, j'adore ça, c'est mes préférés. Raisins sans pépins, la base. Les bananes, ça c'était déjà. Au niveau des légumes, j'ai pris tomates cerises, carottes, poivrons, champignons. Je sais plus de quoi, qu'est-ce que j'ai pris. Bon, je pense que ça va être tout. Et on a repris aussi des sauces. Beaucoup de sauces pour les sushis. J'ai pris ça aussi. Litchi goyave. On a repris du lait, du chocolat, du lait. On a pris quoi d'autre? Bah, tout ce qu'il a en fait, on a pris donc compote, riz sushi, velouté neuf légumes. Et oui, ma gueule. C'est hyper bon. Franchement, leur soupe, elle est super bonne. Elle est meilleure que la mienne. Je sais pas comment ils font. Elle est vraiment très, 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 très bonne. Donc, j'apprends. Il y avait une promo, en fait. Donc, je l'ai prise. De la bolognaise. On a repris du sopalin, etc. Enfin, bon, voilà, on a pris ça. On est quand même pour cher. Hein. Franchement, on s'est un peu lâché. Ah oui, on a pris aussi des gâteaux apéritifs. On a pris des sushis. Enfin, tout ce qui est pour sushis. Donc, le saumon, etc. Donc, ça coûte assez cher quand même. Pour se faire, voilà, des shirashi, sushi, je sais pas, on verra ce qu'on va faire. Puis on a envie de faire un truc, mais on sait pas quoi faire en fait, tout est fermé, y a rien qui est ouvert, donc on est en mode on se fait chier quoi. Et donc j'avais noté un peu tout ce qu'il fallait pour Truffaut, parce que j'aimerais bien refaire en fait les plantations. Alors je sais pas si c'est vraiment la période, hein. J'aimerais bien mettre de la menthe ici par exemple, j'aimerais bien prendre déjà le terreau, comme ça y a monsieur qui est avec moi pour le porter. Et j'aimerais bien aussi donc faire des... Ça fait longtemps que je l'ai acheté. C'est des petites maisons en fait, où que je mettais dehors. Et tu peux mettre des cactés à l'intérieur, tu peux faire une petite serre de succulente ou choses comme ça. C'est trop mignon, c'est trop trop beau. Et on voulait refaire l'aquarium là, donc soit aquarium, soit terrarium. Si on met un aquarium, on peut mettre un bêta. Mais là, on l'a laissé vivre sa vie. Donc il faut tout nettoyer, etc. Au début, voilà, on voulait faire un terrarium, donc on avait acheté la mousse, etc.
Sauf que on sait pas, on hésite. Livraison entre 10h et 22h. Oui, bah si vous me livrez ce soir, c'est bon. Si, si vous avez un souci pour y accéder, vous m'appelez, je serai là. Merci, bonne journée. Au revoir. Bon, nous venons d'arriver. Je vous ai pas pris à Truff-Truff parce que. Ok, y a pas de lumière. Parce qu'on était tellement pressés d'arriver à 17h là-bas. Le couvre-feu c'était à 18h, donc il fallait qu'on fasse en gros en une demi-heure tout ce qu'il fallait prendre en fait. Donc je vais vous montrer tout ce qu'on a pris, je vais vous poser quelques pas. Ben voilà, le cadrage est magnifique, pas du tout bordélique. Hein. Alors, truff-truff, nous avons pris de la menthe Birdie. Donc on a pris de la menthe, donc c'est celle que je vais planter dans mon bac. Et en fait, ça va se répandre très facilement. On a eu de l'argile. Non, pas de l'argile. Si, c'est de l'argile. Bébé, c'est de l'argile? Non. De l'ardoise. L'ardoise. Putain, ça fait 15 fois que je te le dis. Ouais, 15 fois que j'arrive pas. Ils vont pas comprendre. Le mec, il arrive, il gueule dessus. Mais ça fait 15 ça fois. Ça fait 15 fois qu'il va mettre que c'est de l'ardoise. Putain. On a pris des popcorns extrêmement sous-cotés à Truffaut. Vraiment, c'est extrêmement bon. 100 grammes, sucré, 2,50€. Vraiment trop trop bon. Ensuite, on a pris plein de petits cactus. Je vais essayer de pas me piquer. Donc on a pris déjà celui-ci, alors les cactus sont très très chers, hein. 6€ ce petit cactus de merde franchement. Parce qu'en fait il y a le pot en terre cuite, donc bon, voilà, tu payes ça. Bébé, le montage c'est pas toi qui le fais, hein. J'ai pris ça, je vais défoncer ta race. C'est mon anniversaire, t'arrêtes. Mais dans ce premier anniversaire. Non, j'ai pris cette petite plante là, hyper mignonne, c'est une violette. Enfin les violettes, et je les trouve trop trop belles, je pense que c'est bien dans mon petit cache-pot là que j'ai. J'ai repris une autre fleur, rose, cette fois-ci pour mettre au niveau de tout ce bordel là-bas là, au niveau de mon frigo. J'ai pris encore cette petite plante là que j'ai déjà mais que j'aime trop, donc je l'ai reprise. Elle est trop mignonne. Je suis retenue de maintenir mon papillon. Ok, hein. Il a pris des cactus comme ça, donc moi je suis pas très fan des trucs cactus comme ça. Donc il y a un autre cactus comme ça. Voilà, on va l'appeler Gilbert. Et l'autre, c'est Montagnier. Un cactus comme ça. Donc là, c'est 2,90€, je crois. Quelque chose comme ça. Et un autre cactus comme ceci. Voilà. Donc ça, on va le mettre dans le terrarium. Et on va mettre de l'ardoise. On va mettre de l'ardoise tout autour. On a pris donc du terreau cacté. Du terreau bac et jardinière aussi. On a pris un pouce, truc pouce là pour les poivrons, donc c'est des mini poivrons, j'ai trop hâte de tester. Et on a pris de la bouffe pour Bichette. Alors j'ai commencé à préparer un petit peu l'apéro, donc c'est un apéro très 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 petit, hein, parce qu'il y a la bouffe là juste après, avec un petit peu de truc au thé là qu'on a pris tout à l'heure. C'est un peu bizarre, c'est pas trop... Enfin je sais pas, c'est pas le même goût que le Fossi et l'Aïsti, ça c'est sûr, ou le Maïti. Et il y a mon copain qui m'a préparé un bon repas. Regardez ça comme c'est beau. Ah oui, et tout à l'heure, il y avait donc le livreur qui a appelé mon copain. Il lui a dit qu'il allait être livré entre 19h et 22h. Donc on espère qu'il va venir. Parce qu'en fait, il y a mon copain qui a fait une demande de remboursement pour ce collier-là. Il a refait en fait une commande donc pour faire en click and collect demain et en livraison. Alors je lui ai dit d'attendre, de voir avec le service après-vente. Mais donc bon, en fait, on a. J'espère qu'ils vont venir déjà, ça serait cool. Et s'ils viennent pas, bah, en tous les cas, on a fait la demande de remboursement et on pourra aller chercher les articles en question demain. Bah oui, mon cœur. Bah oui. Est-ce que t'as mis la couronne des tuquettes? Ah oui, tout à l'heure, elle est venue avec nous à Truffaut. Comme d'hab, elle faisait sa belle. Ça change pas d'habitude. Bon, je vous ai pas appris depuis hier parce qu'on est allé manger le dessert chez mes voisins. Donc on a pris un bon... Ah, on a fait deux panna cotta. Oh, ma voisine a fait des panna cotta, mais deux... Pépite, elle nous a fait aussi un fondant au chocolat. Oh my god. Elle fait ça tellement rapidement et tellement bien. Donc on a fait un joyeux anniversaire et tout, ils m'ont offert des petits cadeaux, c'est trop mignon. Alors déjà elle m'a offert ça avec donc un seau à popcorn pour mettre tous mes popcorns. Du popcorn, des Raffaello. En fait elle m'a offert des choses que j'aime bien manger chez elle à chaque fois. Des Kinder Maxi. Elle m'a fait ensuite des panna cotta. Ces panna cotta, c'est tellement pépite. Et un coca parce que chaque fois que je vais chez elle je bois un coca. Il manquait plus qu'une capsule de café, hein. Dommage qu'on n'a pas la même cafetière. Et je sais pas si je vous avais montré, mais on a donc bien reçu les jeux. Donc c'est trop trop bien. Là, on est en train de jouer à ça depuis hier soir. On a joué jusqu'à 1h30 hier. Et là il fait genre super beau. Mais genre, il y a du soleil, il fait bon, donc je suis en train d'aérer l'appartement. Donc bref, on s'amuse bien, on joue.
Je pense qu'on va faire ça toute la journée alors qu'il fait super beau. Donc bref, j'ai reçu des SMS en disant qu'il y avait mes collègues qui étaient un peu éparpillés partout. Alors je suis chez moi. Comme d'habitude, Chronopost me refait le même coup. Après, je dois aller chercher un colis à Gentilly. Genre hyper loin, je dois... Heureusement que j'ai la voiture parce qu'en trottinette ça aurait été galère. J'en ai un autre qui va arriver demain. Demain c'est ma commande des Aigneaux. Donc bref, là on va aérer l'appartement, ça va faire du bien. Ça fait depuis très longtemps qu'on n'a pas aéré un appartement. Désolée monsieur Castex. Donc bref, on va jouer un peu toute la journée même s'il fait beau comme je le disais. Tu touches pas à mes chocolats. Donc demain il y aura la commande... Commande des Aigneaux, il y a un enfant qui s'est fait exorciser là. Demain il y aura la commande des Aigneaux, donc on pourra faire enfin le petit mur de cadre. Faudra acheter je pense des petites punaises. Ah non, oui, le truc que je t'ai dit, le truc rond là pour les murs porteurs, j'irai voir à Bricorama. Donc bref, voilà pour cette vidéo, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas et à vous abonner à ma chaîne juste là si ce n'est toujours pas fait. Je vous mettrai d'anciennes vidéos qui s'afficheront juste en bas. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Bye bye.